Attends-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute de silence. Non, attends. non. Hey, je suis vivante, hein. Quoi? Je suis tu là. Tu dis là, quoi? Je suis là. Je t'ai dit, je suis vivante. Hé, hey, Koda, regarde-moi. Regarde-moi, Koda. Oui. Regarde-moi. Oui. C'était bien. Koda, ton voyage là, c'était bien. J'ai en train de chercher mon chafanjoy. Disais, Lada, c'est pas facile ici. Koda, ton voyage là, c'était bien. C'était bien ton voyage. C'était bien. T'es parti draguer. Apparemment, t'es fiancé là-bas. Hein? Apparemment, t'es fiancé? Tu vois? Non. Apparemment, t'es fiancé avec Fatou. C'est vrai ça? Tu vois, mais, est-ce que tu vois ici les signes de fiancement? Maintenant, t'es mon ex. Ça va, mon ex? Tu vas bien, mon ex? Maintenant, t'es mon ex, maintenant. Tu vas bien, mon ex? Ouais. De quoi tu parles? Je t'ai dit, t'es mon ex maintenant. Maintenant, t'es mon ex. Ça va? Je suis ton ex. Oui, t'es mon ex. Mais c'est quoi la cause jusqu'à ce que devenu ton ex? Hé, Koda, t'es parti pleurer à la télé apparemment. Mais ma femme, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Koda, t'es mon ex. Ça va, mon ex? Tu vas bien? Tu es sûr que je suis ton ex? Oui, t'es mon ex. Tu m'as laissé? Ah oui, j'ai un mari maintenant. J'ai rencontré un mec, j'ai un mari sénégalais. Moi aussi, j'ai un mari sénégalais. Mm-hmm. Est-ce que tu es sûr que tu peux me laisser? Moi aussi, j'ai un mari sénégalais, Koda. Tu es sûr que tu peux me laisser? La dernière fois, tu m'as laissé à l'aéroport, là. Normalement, je voulais venir te voir, je voulais faire la surprise. Mais tu m'as laissé à l'aéroport, t'es parti à Dakar, draguer je sais pas qui à Dakar. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, t'es mon ex. Ça va mon ex? Tu vas bien mon ex? Arrête de me dire ex, s'il vous plaît. Arrête de me dire ex. Tu comprends? Arrête de me dire ex. Mais t'es mon ex, Koda. Tu sais... Tu sais, je suis amoureuse d'un Sénégalais. Tu es amoureuse d'un Sénégalais? Yeah. Je suis amoureuse d'un Sénégalais. Mais est-ce que tu sais tout ce qui doit qu'elle il n'a qu'à qu'elle ici? Parce que moi, avant de prendre une décision, je me prends mon décision fermée et uniquement et je me arrière plus. Si tu es sûr que ce que tu es en train de parler là, c'est vrai et c'est vrai, dis-le-moi, je te enlève dans mon cœur réalité et je te sortir dans mon vivrement. Même si tu voulais revenir, tu ne reviens pas. Mais avant de prendre cette décision, est-ce que tu es sûr et certainement que tu as envie de me laisser? Ne prends pas les décisions de ton langue, mais prends la décision de ton cœur. Si ton cœur il a dit de me laisser, dis-moi, je te laisse à vie parce que je suis un homme. Je ne suis pas né avec toi, je suis né avec Tatou Nen, avec Kourol Bolol. J'ai venu même pas avec les habits. Mais Koda, j'ai venu avec Kourol Bolol dans ce monde. Donc si une femme il choisit de me laisser, je lui laisse et je lui donne ce qu'il voulait. Car je ne suis pas né avec personne. Koda, mais arrête tes bêtises. Arrête toutes tes bêtises. Tu vas pleurer à la télé. Tu te rends compte, tu vas à la télé, tu vas pleurer. C'est quoi ça en fait? Mais pourquoi tu vas pleurer à la télé, Koda? Qui a pleuré à la télé? Toi, t'as pleuré à la télé. Est-ce que tu vas sortir les preuves que j'ai pleuré à la télé? Sortir les preuves. J'ai pas de preuves, mais apparemment, t'es parti pleurer à la télé. T'as pas de preuves, donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'une femme qui peut me faire pleurer dans la télé? C'est quelle femme ça? Bah, je sais pas, c'est une belle animatrice apparemment. Belle animatrice. T'es partie draguer, t'es partie pleurer. Quand tu parles de belle, il peut être belle jusqu'à elle être belle plus que toi. Il y a plus belle femme que toi dans ce monde. Donc la belle femme peut m'étonner. Arrête ce que tu racontes, ouais. Arrête.
Pourquoi arrêter tes bêtises? Ok, bon, Koda, du coup, je vais acheter mon billet. Je vais venir en vacances bientôt. Tu vas venir? Tu vas venir dans la moi? On sera ensemble. On va être tous les deux ensemble. Mais quand tu venir, ne fais pas abandonner. Il faut faire surprise. T'inquiète. Entre toi et moi. Voilà. Bon, du coup, il faut que je me prépare pour, tu sais, le truc là. Quoi? Il faut que je me prépare pour le truc là, tu sais le truc. Quel truc? Le truc. Hein? Le truc. Mais quel truc, ma femme? Il n'y a pas de casse-moi ici, parle directement. C'est quel truc? Tu sais le truc que tu me parles tout le temps là? Le bandiagal. Ah! On va le faire. Ma femme, apa, on dirait que tu aimes trop les bandiagal. Je parle les bandiagal façon mais, que mais, tu... Mais Koda, c'est important ça, tu sais. Oui, ça soigne aussi, ça soigne. Et ça empêche oui, apparemment, c'est bon pour la santé. Oui, Kadi, ça empêche à mourir vite. Mais ne apprends pas ça à les enfants. Ils croient que même ils doivent le faire. Tu n'as pas droit à le faire, Kadi, tu n'es pas amoureux. Koda, est-ce que tu sais que moi, tu es mon premier homme, hein? J'ai pas eu d'autres mecs à part toi, hein? Tu sais oh. Ça? Oh. Donc, c'est le nouveau Bandiagal. C'est ça qu'on appelle nouveau bandiagal. Tu n'as jamais bandiagalé. Ça, c'est le cadeau. Je suis la meilleure femme de la mondialité. Exactement. Du coup, il faut prendre soin de ta femme. Hein? Non, c'est pas grave. Moi, que si il y a des bandiagal dedans, si tu me dis ne mange pas, je ne mange pas. C'est toi qui me dirige. Bah, écoute, c'est toi moi, je t'attends. Moi, je t'attends, mon chéri. Tu sais très, très bien que je pense tous les jours à toi. Même si je ne suis pas souvent dans ton live, mais je pense à toi quand même. Je le savais. Même moi, parfois, mon cœur, il dit, Sia. Je pense ça. Est-ce que tu n'as pas me marabouté? Parce que façon que j'ai aimé, Sia. Mais tu sais, je suis une haïtienne. Tu sais que je suis une haïtienne. On a ça dans le sang. Je pense que je vais faire un petit truc pour que tu restes avec moi. Peut-être. Parce que ça, c'est plus puissant que moi, quoi. C'est plus puissant que moi. Est-ce que même tu es amoureux? Avant-hier, tu as venu dans la moi. Dans la femme de nuit, il a venu avec ton visage, man. Les femmes de nuit. Sérieux? Vous avez entendu les femmes là qui vont monter dans le live là? Et c'est mon homme, hein. Il faut laisser mon homme tranquille, hein. Lui là oui. Qui est là, c'est mon homme. Il faut me laisser tranquille, ouais. Il faut me laisser tranquille, je suis son homme. Exactement, c'est ça. Oui. C'est mon mari, c'est ok? Bon, mon oui. Chou, tu sais très bien que je t'aime très très fort. Oh, j'ai dit je t'aime. Oui. Je viens te dire, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma femme. Je t'aime. Bon, mon chouchou, tu sais très bien que je ne peux pas rester trop longtemps, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Tu m'as manqué. Pas plus que moi. Voilà. Mais ma femme, il faut que... Mm-hmm. Il faut que... Appelle-moi. Je ne veux pas parler ça ici. Appelle-moi. Ok, on va parler. T'inquiète. Ok, à plus. Bisous, mon cœur. Mais tu n'as pas sali les voisins. Je ne peux pas salir les voisins parce que je suis en... C'est cool. C'est très, très cool. Je ne peux pas. D'accord, mais ma femme, il faut toujours porter les habits longuement. Parce que tu sais, mon live, c'est obligatoire de salir les voisins. La prochaine fois, t'inquiète mon chéri, t'inquiète, la prochaine D'accord. fois, ok? D'accord, merci. Merci ma familialité. Quel bisou. Mais ma femme, non, c'est quel bisou ça? Il faut faire les bisous directs, bisous envoyés par la main, et mais envoyés, non, bisous directs.
Elle enlève les mains, fais bisous direct. Voilà. C'est ça les meilleurs bisous. Et les bisous par la main et main envoyée par la. Mais ça, c'est trop lent ça. Bisous mon petit cœur. Vas-y, bonne soirée. Ok, merci, merci ma femme Yalité. Oh, bisous mon chéri. Elle est belle cette femme, elle est belle.